après ça, le monde était dans la profondeur pour rebâtir les cartes du match. Bon coup franc là pour Betclub, il avait cette possibilité de pouvoir inquiéter Duce. Là avec cette accélération de Calobo, il a bien vu Bati. On va revoir cela avec Sadou. Bati qui avait pressé le bon crochet extérieur, alors que sur l'accélération de Calobo que l'on revoit au ralenti, qui porte bien son ballon de l'extérieur du pied, il avait Bati Anelka, et Bati Anelka qui va placer l'extérieur du pied pour pouvoir prendre son défenseur à défaut, et il y a l'obstruction et rebond pour les Immaculés, c'est bien l'entrée de la surface de réparation. Alors un coup franc qu'on ne veut pas voir sur le banc Immaculé, vous avez remarqué, Emeka lui carrément regarde le sol, un coup franc quand même bien placé, assez dangereux pour le Dering, bien placé pour la supporter des clubs, et c'est le 10 qui va pouvoir le botter. Il s'agit de Djoko. L'animation qu'il y a eu avant cette partie, le public a pratiquement le même taux d'adrénaline que les joueurs et les coachs sur le banc. Alors on va avoir une relance courte du côté immaculé avec Gonda. Gonda qui trouve Mbé Tachou et qui retrouve Gonda. Il va pouvoir dégager le corps, mais là c'est encore des offrandes pour avec le avec Calobo qui passe par le place du côté pour Bachané, le Bachané.
dans mon avis, les 5-4 premières minutes, le club a essayé de passer par les ailes. Ça n'a pas payé avec Guéry et Mayanga. On a préféré revenir dans l'axe avec Nintendo. Pour...